Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Notre quatrième épisode de la Parashat Béra Halotra. On plonge dans l'histoire du peuple juif dans le désert. Le peuple juif se plaint, encore. Il n'a pas assez à manger, il n'a pas assez à boire. Il voudrait de la viande. Akadosh Baruch Hu décide de lui donner cette viande. Moshe Rabbeinu se dit qu'il va peut-être trouver la solution pour leur faire entendre raison, pour leur faire faire teshuvah. Mais les bénis Israël veulent de la viande. Donc, Moshe Rabbeinu va réunir les 70 sages. Et avec Yehoshua Bin Nun, ils vont faire en sorte que l'histoire du peuple juif change. On rassemblit donc ces 70 sages devant le Ohel Moed. Et là, la Shrina commença à résider sur chacun d'entre eux. Le rassemblement prit fin et Moshe, avec les 70 sages, retournèrent dans leurs tentes respectives. Au même moment, Akadosh Baruch Hu décida d'assouvir la demande du peuple, leur envoyer de la viande. Et là, un vent puissant provenant de la mer se mit à souffler et apporta avec lui des hordes de cailles bien grasses. Des milliers de cailles arrivèrent directement dans le camp d'Israël. Le peuple juif n'avait pas un gros effort à faire pour les rattraper. Il suffisait de tendre le bras pour en saisir et pour pouvoir se nourrir. Les cailles remplissaient tout le camp d'Israël et même ses alentours, jusqu'à une distance d'un jour de marche. Les bénis Israël en attrapèrent un nombre considérable. Ils étaient tellement enlisés dans leur avidité de vouloir manger cette viande que durant tous les jours et la nuit, ils ont mangé encore et encore et amassé des quantités phénoménales de cailles. Non seulement le jour, mais la nuit, mais également le lendemain encore. Beaucoup plus qu'ils en étaient capables d'en manger. Celui qui en amassa la petite quantité parvint tout de même à en amonceler une bonne dizaine de piles. Vous imaginez? Autour du camp, les bénis Israël rassemblèrent toutes les cailles qu'ils avaient réussi à attraper. Et ils commencèrent à déguster cette tendre viande avec une grande avidité, un grand plaisir. Et là, alors que la viande se trouvait encore entre leurs dents, Akadosh Baruch Hu leur infligea un terrible châtiment. La colère d'Akadosh Baruch Hu s'est déversée sur eux, qui étaient eux soumis à leurs désirs. Ils furent frappés d'une épidémie terrible et qui va faire disparaître toute cette partie du Ham Israël. Ensuite, les bénis Israël vont quitter cet endroit et se rendre à Hatzeroth. Moshe Rabbeinu avait un frère, Aaron, mais il avait également une sœur qui s'appelait Myriam. Tous deux étaient de grands tzadikim, des prophètes d'une grande sainteté. Et ils vouaient à leur frère Moshe un amour profond et un respect réel. Un jour, Moshe commit un certain acte qu'Aaron et Myriam désapprouvèrent. Il se sépara de sa femme Tzipora car il se trouvait à un niveau très très élevé de kdusha, de sainteté et de prophétie. Akadosh Baruch Hu se dévoilait à lui pour lui parler. Il s'est donc séparé de sa femme. Mais Aaron et Myriam considéraient que cela n'était pas du tout une raison valable pour se séparer de sa femme. Même si Hachem avait sanctifié Moshe et qu'il lui avait attribué un statut tout particulier, il ne devait pas le faire. Myriam se tourna vers son frère Aaron et lui dit « Pourquoi Moshe a-t-il quitté Tzipora? Est-il le seul prophète ? Nous aussi, nous sommes prophètes. Et ce n'est pas pour cela que nous avons quitté nos conjoints. » Akadosh Baruch Hu a entendu les paroles de Myriam. Il se dévoila à Moshe, à Aaron et Myriam en leur disant « Rendez-vous tous les trois dans la tente d'assignation. Vous êtes invités à rejoindre l'Ohel Moed. » Ils ont donc écouté Akadosh Baruch Hu. Ils se sont tous dirigés vers l'Ohel Moed. Et là, il leur demanda de sortir du Ohel Moed et il leur dit « Écoutez bien mes paroles. Moshe est un prophète d'un niveau de sainteté bien plus élevé que toutes celles que vous pouvez connaître.
sa prophétie dépasse celle de tous les prophètes. Et comment vous n'avez pas eu peur de parler ainsi de mon serviteur Moshe, de faire du Lashon Hara ? Akadosh Baruch Hu termina de parler avec eux, et lorsque la Shrina quitta les lieux, il se passa quelque chose de terrible. Myriam, à Nevia, contracta la lèpre. Sur tout son corps, il y avait de la lèpre. C'était sa punition pour avoir dit du Lashon Hara contre Moshe Rabbeinu. Lorsqu'Aaron vit que sa sœur était atteinte de la lèpre, une grande tristesse envahit son cœur. Il se tourna vers son frère Moshe et lui dit « Je t'en supplie, je t'en prie, demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié de notre sœur Myriam. Prie pour qu'elle guérisse et qu'elle soit délivrée de ce châtiment. » Et là, Moshe Rabbeinu se mit à prier et à implorer Akadosh Baruch Hu. « Elna refana la, Elna refana la, maître du monde, ribono shel olam. » Envoie la guérison à Myriam. Akadosh Baruch Hu lui répondit, Myriam doit subir cette punition durant 7 jours, pendant lesquels elle devra demeurer isolée hors du camp. Ce n'est qu'après cela qu'elle guérira, après ces 7 jours. Et c'est ainsi que Myriam Anevia, la prophétesse, fut contrainte de demeurer à l'extérieur des 3 camps du Ham Israël, comme la loi le stipule concernant la Metzora. Le peuple accomplit un acte de bonté grandiose envers Myriam. Écoutez ce qu'il faisait. Tout le camp, qui comptait des milliers de personnes, ne bougea pas, ni ne sortit durant toute la semaine. Tout le monde décida de faire comme Myriam, de rester enfermé. Chacun attendit que Myriam guérisse et puisse revenir au camp. Pourquoi est-ce que Myriam méritait-elle que le peuple lui témoigne un tel honneur en l'attendant ainsi ? Parce que vous vous souvenez, il y a de nombreuses années, lorsque sa maman Yocheved avait déposé Moshe sur le fleuve, dans le petit berceau en osier, Myriam avait attendu, elle aussi, entre les roseaux, pour voir ce qui allait advenir de son petit frère Moshe. Ce dévouement dont elle avait fait preuve envers son frère lui était attribué à présent, alors qu'elle souffrait, elle, de la lèpre. Il ne fallait pas la laisser seule. De la même façon qu'elle avait accompagné son petit frère Moshe, tout le Ham Israël attendit donc son retour et attendit qu'elle guérisse pour sortir eux aussi de chez eux. Et une fois qu'elle a guéri, elle est rentrée au camp. Et à ce moment, le Ham Israël décida de quitter cet endroit qui s'appelait Hatzeroth pour aller dans le désert de Paran. Et c'est ainsi que le Ham Israël continue ses pérégrinations dans le désert. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la paracha de Béa-Alotra. Une magnifique paracha. Encore une que nous venons de clôturer. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous.